Ma chèvre zè la kaye gwo bonjour ak bonsoir pou nou toutan, pou si la yo ki gen lontan yo pa wè nou, et bien nou toujou la, kom d'abitude, et na profite, et remersi yo, paske ou toujou rete konekte sou kanal sa, ki se so la le jan, ou toujou ap ton informasyon, et nou men nou la, menm si nou pa aktif 24/24, men nou pa pran an pil tan, pou nou pa pote yon video de formasyon pou ou, pou nou pa vin informe ou sou sa, Kap boase bil pey d'Haïti, nan mouman aktuel nan pari a la, bagay yo degenere nan peyi a, dosye asasina prezident Jovenel Moïse, ebyen, Stanley Lucas jodi a la gay won nan mesdames et messieurs, ki nou pral evite ou gen detay, msye la ge kozya, e ou pral sezi tande, ebyen, ki neg ki yo menman responsab asasina sa, e gen PM Ariel Henry, e ki li menman yo tajwen li pale, environ 64 fois avec un assassin qui est bien coupable dans le mot président de la République, M. Jovenel Moïse, en date qui était 6 pour le 7 juillet 2021. Restez connectés sur vidéo ça jusqu'à la fin parce qu'il y a un pile bagaille qui pourra le dire, n'a pas tourné. Pour politique, pour moi-même, matin, m'a dit clairement, Premier ministre Ariel Henry doit démissionner. S'il va démissionner, le cabinet a dû remplacer par l'autre Premier ministre. Son gros de garçon fait là, oui. Premier ministre Ariel Henry doit démissionner. Vous mettez bonne cloche. Et donc, moi-même, matin, je vais vous dire pour qui ça, pour qu'Ariel Henry démissionne ou bien pour le cabinet ministériel là, remplacer par un monde dans le cabinet qui doit venir premier ministre. Numéro 1, nous faisons blocage à l'enquête du président sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Numéro 1, nous faisons pas une conférence de presse pour dire maintenant le niveau que l'enquête là va avancer. Ok, numéro 1, Claude Joseph, c'est qu'on baille. De temps en temps, information, mais qui j'ai bagaille avant. Je ne sais pas comment faire. C'est un bagaille là. Nous sommes dans le groupe FM, nous sommes dans le Louvelis, les mêmes Ariel Henry qui n'ont imité, Badio Joseph, pas John Joël Joseph qui n'ont imité, participé dans tous les résidents, nous sommes d'où pas croire que Badio Joseph fait ça. Ça veut dire que nous sommes dans la justice pression, nous sommes dans le commissaire gouvernement pression, nous sommes dans le DCPJ, commandement de la police, ministre de la justice pression, pour orienter l'enquête là. Nous sommes pas doué là encore comme premier ministre, comme président du CSPN. Troisième raison. Comment vous voulez que jeudi a fait 49 jours que vous touillez le président Jovenel Moïse? Et puis, il ne sait pas mettre 10 millions de gouttes, demander finance, mettre 10 millions de gouttes pour n'importe qui monde qui mène John Joel Joseph vivant par la justice. Si je ne sais pas qu'on fait 10 millions de gouttes pour n'importe qui monde qui mène John Joseph par la justice. Si je ne sais pas 10 millions de gouttes pour n'importe qui monde qui mène Wendell Koch par la justice. Ou bien 10 millions de gouttes pour n'importe qui qui mène Rodolphe Jean à la justice. Ça veut dire que je dis, après avoir parlé avec vous là, pour qu'il y ait de la stabilité politique, le cabinet ministériel là doit remplacer une ministre qui a dégagé entre eux, une premier ministre. Ariel Henry, si vous voulez être ministre des Affaires sociales, il n'y a pas de problème. Même si pas un premier ministre pour une position que je prends par rapport à l'enquête. Non, mon, puis c'est vous-même qui a bloqué l'enquête comme président. Ça veut dire que vous avez protégé les ministres qui n'ont pour le président. Merci Bill. Dis, jeudi, c'est 25 août février. Dans trois jours, nous allons commémorer un an la mort de M. Montferrier d'Orval. Assassinat président Jovenel Moïse, pour moi-même, vient faire me découvrir clairement qui est-ce qui touille M. Montferrier d'Orval. Et ça, Louko, Tatou et l'Excident, vous et nous font recherche pour nous venir dire, peuple, si ça m'a dit là et menti. Montferrier d'Orval font une interview le 28 août 2020 sur Radio Magique. Dans l'interview, ça a, pour moi-même, une question que vous posez, et en même temps, qu'a fait nous jouer un assassin qui touille, et mettre Montferrier d'Orval là bien facile. Dans l'interview qu'elle fait, qui est disponible sous SoundCloud, n'importe qui a attendu, il y a demandé, journaliste a demandé mettre Montferrier d'Orval. Qui j'en fait aujourd'hui dans la radio, ça a, ou pour une position politique qui est différente de client ou sojénaire? Mais mon Ferrier d'Orval, dans l'interview, a répondu que client que nous avons pas déterminé qui position politique que nous devons prendre. Moi-même, je demande des CPJ matin. Al garder en dedans de Digicel. Parce que sous serveur computer Digicel là, gagne tout SMS et tout WhatsApp que vous voyez. Al garder dans le serveur Digicel là, 20 août 2020 à 8h du matin, l'interview a été faite. Si journaliste a recevoir question ça dans moun qui te voye question ça, al gade téléphone ni, gade tout WhatsApp qu'elle te voye jour 28 août 2021, y a joué qui moun qui touye mettre Dorval là.
pour moi-même, c'est question ça, qui est M. Doval. Merci, Bill, Sandley. Enquête sous Jovenel Moïse a montré que Badio Joseph est dans la zone depuis un an et demi à veiller le président Jovenel. Pour moi-même, c'est Badio Joseph tout qui touye mon ferrier Doval. DCPJ doit le garder. Donc je dis, c'est pour ça, dans le cas où nous y a, pas de personne qui a bloqué le mouvement ça qui peut rentrer là-dedans. Trois pouvoirs l'État qui n'en met, Milat Assassin et Voléo, qui est différent de Milat qui travaille, qui a payé taxes, il faut que Milat qui parle en volé, qui parle en touye moun, qui parle en craser l'État, écraser le pays, il faut que travaille la majorité. Nous n'avons qu'à fou historique pour nous faire union ça, pour nous casser tout le monde assassin et voler. Et puis le secteur destructeur, qu'elle prend contenu dans le même monde, qu'elle prend compte dans le même monde, pour personne, au lieu de jouer sous groupe WhatsApp, venez par détail, ça nous fait à quel contenu qui nous mène. Bon, c'est bien nous qui avons la loupe. Solidarité, peuple à peuple. Et c'est la valeur pays, racine pays, nanan pays, force pays. Là, bon, c'est des malheureux, malheureux. Qui prend bourrique, qui est sorti côté, qui est sorti. Il a porté banane, il a porté pois, il a porté manger. Peuple qui a porté manger, by peuple. Bien. Ça, c'est la force racine dans la vallée, nous comme haïtiens. C'est ça, où les solidarités nationales, là, tout bon. Et là, ouais, j'ai fort, on sait de nek tant qu'on même a fait. On sait de nek tant qu'on Bob se a fait. C'est ça, où les solidarités réelles nationales, là. Ici, aux États-Unis, les gens bagaillent comme ça, où est Bill Gates, Warren Buffett, gros millionnaires, milliardaires, où est négo, c'est pas masse, pas paquet qui ont fait ouais. Solidarité à peuple là. Et pas gain show off là-dedans. Et ça, même parce que l'indicateur d'un bagaille qui existe dans la société, ni au niveau de l'État, ni au niveau des élites, d'une partie des élites du pays. Mm-hmm. Et ça, on va répéter l'encore matin, parce que c'est l'important, on va nous parler de monde dans trois départements yo, qui victimes. Ça, son bagage qui a boumé contre lui aux États-Unis. Président Biden, démocrate, yo, comment c'est boumé contre ça. Il remarque que l'institution de l'État américain, yo, quand il s'agit de monde noir, il n'a pas traité monde noir tant qu'on monde. C'est ça que fait George Floyd, là, vient arriver. C'est ça que fait tout le mouvement aux États-Unis qui est le Black Lives Matter. Ok, c'est parce que en d'institution l'État, il y a un certain racisme systémique qui existe en d'institution l'État américain qui fait que j'ai un cadre de traiter mon noir, il va traiter mon noir comme ça. Il n'y a plus de traiter blanc bien, mais laisser mon noir. Donc Biden, comme président américain, et parti démocrate, a décidé de faire comme ça. Yeah, nous même dans le pays pas noir, racisme systémique ça, existe en dans la société. Un monde qui est raciste, son monde qui gagne un hypocrite. Et puis, il y a des gens noirs, même à l'époque de l'esclavage, qui n'ont pas de monde tout bon. Allez, les gens qui sont en province, les gens qui sont en section communale, yo, pas de monde. Donc, c'est comme ça le gado. C'est ça l'état mental lié. C'est ça qui est en tête. Donc, en tant que société, pas nous, nous avons ça les Mila. Dans les Mila, il y a deux catégories. Il y a une série de Mila qui connaissent les nègres, ils travaillent du bout des goudins, ils payent les taxes, ils fonctionnent normal dans la société. Nous avons pas de problème avec eux. Mais bon, si groupe Milat en dedans pays, ya, Milat yo, yo raciste, à l'éduquer, les regardo comme moun noir, qui dans la section communale là, ou qui dans pays, ya, ou pas moun vraiment devant eux, ou reste avec eux. C'est une sorte de apartheid économique ça, que vous mettez en place depuis les nègres qui ont touché des salines en 1806. Donc, même temps Milat raciste ça, yo, nègres qui ont gagné un concept que étudiant en sciences politiques maîtrisé, qui est les captures de l'État. Mais que vous capturez trois pouvoirs l'État. Yo. Pendant qu'on pense qu'on mette président, ou mette sénateur, ou mette moun nan la justice qui a dirigé l'État, c'est pas eux-mêmes qui a dirigé. Vrai dirigeant l'État, c'est Milat Racisa et volé assassin qui capture l'État. Et c'est nek sa yo qui prend trois juges dans le cours de cassation, qui a mette yo dans tous les présidents. C'est eux qui a dicté décision judiciaire. C'est eux-mêmes sous 28 sénateurs qui contrôlent 20 sénateurs. Dans 10 sénateurs qui étaient là, ils ont contrôlé 7. C'est eux-mêmes qui entrent dans BMPAC, ils prennent 197 millions de gaz pétro-caribé à 25 domaines. C'est eux-mêmes qui entrent dans EDH, ils font gargote qui ouvre. C'est eux-mêmes qui entrent dans ONA, ils prennent 2 milliards 900 millions de gouttes et travaillent à 1 million de dollars cash. Même les unités de lutte contre la corruption fait rapport qui montre comment ils ont volé. Et pour ELC, c'est pas même qu'à mettre en bas. Parce qu'ils ont contrôlé la justice. Donc, la CIS conjointe dans la société A, lui vient mettre racisme systémique là en deux institutions. C'est pour ça, par exemple, bon, si vous même locaux, ou bien tout, ou dans DGI,
on fait ligne pour aller payer son pour payer dans DGA. Ni la gratis là qui est entré dans bureau directeur. Il va gagner pour la ligne. Ni la gratis là, il entre dans banque centrale, il prend 30 millions de dollars américains chaque mois pour blackout. Et puis ou même qui là soit entre dans banque centrale pour chercher crédit même garder ou pas garder dans couchin. C'est le racisme systémique. Ou bien entre 30 millions là prend dans banque centrale là chaque mois sans problème pour blackout et puis trois départements géographiques dans ce là souffrir là. Et puis, comme santé publique besoin, comme FAES, Dine, Paye, la Trier besoin, pour aller faire la service dans le site, la Banque Centrale doit gagner l'argent. Mais laissez pour 1000 adresses, voler, assassin, ça va sortir 30 millions de dollars américains chaque mois. Ok, stand-up. Et, je vais vous dire que nous-mêmes, si nous allons sur le débat, je vais vous dire que l'autorité, pas de personne qui dit rien, sous quantité de coq qui est entré là, sous question. Comme aide sous question cyclone et tremblement de terre 14 août 2021. Je vais parler de vous. C'est peut-être sur les réseaux sociaux que vous avez essayé de comprendre et regarder. Quelle information est-ce sur ça? Bon, et comment est-ce qui est très important dans l'aide d'Algérie? Moi, j'ai des gens dans le secteur des sous-terres, comme le secteur démocratique, parce que nous avons 17 containers dans le monde, nous disons ça matin dans son radio, et puis nous avons 15 millions de gens qui ont été dans le monde pour Pepnik, nous avons signé l'adrié. Ou li yo vin bay detay, ki sa ya fadi set kontene a, mwen gen dam nan ka boye piye di plaj mounen. Ame di gen, sot ya koumada ki kore, dwe gen sa yo le, an koordinasyon de led ekstern a Haiti. Paske gen de bagye nou apren, depi 2006. An 2006, ki sa nou apren? Blan yo met moun strukti kriye le CIRH, se yo menm ki resevo l'ajan, se yo depanse l'ajan, Haitien pat la dan. Yo krasè 10 milyard de dolar Ameriken konta, nous même haïtiens avec dit l'état secteur privé société civile nous va participer là-dedans mais au cas de combien sous nous en même temps tout en 2010 nous apprenons que sous chaque 1 dollar que ONG étranger ramassé à l'étranger c'est 5 cop qui vivent sous terrain la croix rouge américaine ramassé 900 millions de dollars américains sous nous c'est 4 cas qui ont construit dans le pays. OK, on était sous 30 de terre ça et sans lien ça se barre comme ça ou répéter plusieurs fois déjà. Ou ça me doula sur ça passé. On était sous 14 août 2021. OK, qui ça qu'a fait là? Quelle information gain de aide qu'a privé dans le pays? OK. Qui ça doit faire? Ça veut dire que bon ensemble de pays et institutions qui ban nous corps. Yo quantifier tout le monde montrer combien corps qu'il y a. C'est Wall et Simon Dera comme ministre de la planification. Demain. Pour faire une conférence de presse pour dire mais qui pays, mais qui institution qui ban corps? Demain. Parce que moi-même, pour moi, je suis tout le monde qui m'a dit. Léo dit au banc, nous sommes là. Haïtien, l'État haïtien va recevoir comme là. Et c'est pour ça qu'on nous clair. Américain, il a dit il a boit 8 millions de dollars américains. Nous ne pouvons pas goûter là-dedans. Quand il dit que c'est contracteur américain avec ONG américain qui va recevoir comme là. Oui, mais laisse faire autorité haïtienne au deal. Faut autorité haïtienne au deal. C'est ça. Ça veut dire que. Pour chaque dollar que ça a déplacé, c'est 5 à 10 comme qui a privé souterrain. Ça veut dire que si on prend 1 million de dollars américains, c'est 500 et 600 000 dollars qui a privé souterrain. Donc nous-mêmes, en tant que l'État, parce que dans l'État qui l'a, je ne l'ai pas appelé, c'est Simon Dera qui est ministre de la planification. Pour Dera, il y a une conférence de presse ensemble avec le Premier ministre. Hein, c'est clair. Pour dire, mais au niveau bilatéral, de pays à pays, mais qui ça au bail, mais qui institution l'État qui recevra ou bien institution l'État qui va recevoir rien. Mais comment quoi blanc va le dépenser au niveau local, mais qui je nous parle de distribution, là, pendant que je parle avec vous là, je ne sais pas si c'est manque de compétences, si c'est une question d'amateur, ou bien est-ce que le ministre tourne et fait criver, je ne sais pas qui ça criver. Transparence, ça, nous ne gagnons pas. Et je tout profite de dire, Nenel Kassimen, si vous pas content, 17 containers pour recevoir, qui vient manger, tolé la trier, à 15 millions de gouttes, viens par détail comment on va le distribuer dans le plan frère. Moi, nous fâchons pour être dit ça. D'accord. Ok, tout conclue. Bon, pour me conclure, moi-même, c'est sous deux bagages, ma conclue. Je ne veux pas nous connaître que il y a plus que 2200 personnes qui mourent, il y a 320 personnes qui disparaissent, il y a 12 500 blessés. Jusqu'à présent, le conseil de côté blessé ou pas à recevoir aide. Mm-hmm. Et le ministère de la Santé publique, si la Banque centrale a financé, pas bon, il faut venir un petit peuple à ça. C'est là que le système est pour pas un cobla. 53 000 cas qui détruit, pour nous commencer à garder comment nous pouvons faire un crédit sans intérêt pour que nous puissions faire un crédit.
77 000 cas qui dommagent, pour nous combien de cas arrêtés qui vient pour nous renforcer. 700 000 sinistrés, pour un plan à court, moyen et long terme pour gérer. 20% des infrastructures électorales qui crasent, qui affectent 13% de l'électorat. Faut que KEP a dit, est-ce que l'abstention de 7 novembre n'a toujours pour référendum, élection qui j'en prends le fait, 3 milliards 400 millions de dégâts que nous faisons, comment on va le gérer? Ça, c'est au niveau purement de dégâts.